questa vittoria. Molte grazie. Credi che abbia... Vous faites quoi là? Mon boulot. Et votre boulot, c'est de jeter les cadeaux qu'on apporte aux patients? Monsieur Lansky m'a demandé de vider la chambre. La patiente va être transférée. Oui, bah donc vous allez remettre tous les cadeaux de Madame Carman dans sa nouvelle chambre. C'est Monsieur Lansky que j'oublie. Pas à vous. Vous arrêtez ça tout de suite et vous dégagez. Ok? C'est plus clair comme ça? Voilà, votre installation est terminée. Tout est maintenant opérationnel. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil et pour votre confiance. Au revoir, monsieur. Au revoir. Hé, hey, venez voir. On a une manif devant le commissariat. C'est quoi? Des gilets jaunes? Non, des robes blanches. Tu te fous de moi? Hey, la dernière fois dans un gala, elle a même pas osé dire que t'avais pas de travail quand on lui a demandé. Alors, elle fait quoi, votre mari? À la place, elle a préféré te faire passer pour un dieu du business. Tout le monde a évacué, capitaine. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, c'est bon. On s'est compté, on est tous là. Les pompiers vont arriver, ça va aller. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais non, mais tout le monde est sorti, regarde, ça va. Juste une robe. Est-ce que tu vas me faire croire que toi, tu sais gérer de l'argent? Alors que c'est Marion qui ramène le blé à la maison? Richard, ça va pas? Non, mais c'est bon, réagis pas, on va mettre ça sur le compte de la colère. Voilà, rue de la paix. C'est ce que tu lui dis quand t'as besoin d'un petit billet? Bon, encore un mot, c'est mon poing dans la gueule. Wow, calme. Marion ne me dit rien. Est-ce qu'elle doit être un peu d'accord? Bienvenue au village, bon réflexe. Ouais. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Docteur! Vite, vite! Une urgence! Installez-le! Vous avez pris son pouls? Oui, c'est fait. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Ouvrez bien grand et faites A. Ah, je vois. Stéthoscope? Merci. Toi, ça va, là? Eh, va peut-être falloir penser à consulter, hein.